Je suis très honoré de participer avec vous à cette 76e Assemblée mondiale de la santé en ma qualité de président sortant de la 75e Assemblée mondiale de la santé. Je suis très honoré de vous accueillir tous et toutes à cette auguste assemblée. Comme vous le savez, la pandémie du Covid-19 a suscité de nombreuses incertitudes sociales, politiques et économiques. Elle a lourdement impacté les systèmes de santé, fragilisé un monde qu'on croyait solide, structuré et efficient. Pourtant, au milieu de toutes ces incertitudes, l'Organisation mondiale de la santé a continuellement fourni un leadership technique et un soutien constant et déterminant aux États membres. Mon pays, la République de Djibouti, réaffirme son engagement à œuvrer en s'appuyant sur le leadership de l'Organisation mondiale de la santé pour le bien-être de l'humanité. Nous réaffirmons ici notre engagement solennel à faire de la santé pour tous et partout une réalité tangible avec la mise en place de l'assurance maladie universelle pour éliminer les barrières financières et améliorer la disponibilité et l'accessibilité à des soins de santé de qualité. Notre politique sanitaire demeure l'atteinte d'une couverture santé universelle solidement ancrée dans des soins de santé primaires de haute qualité et accessibles.